Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwostaz FM, bienvenue dans un quart d'heure, cette rubrique de votre émission Zonard présentée par Calvin Moulungu. Un plaisir de recevoir pour une première fois Bénédicte qui est avec nous. Bonjour Ben. Bonjour Calvin. Une première fois à te recevoir, en vrai ça en fait plaisir, surtout que j'étais touché un jour par ta prestation à la maison des jeunes. Merci beaucoup. Je m'étais dit pourquoi ne pas passer un moment avec toi, sinon tout va bien. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. La question que tout le monde se pose, pourquoi Ben ne sort toujours pas des chansons? Alors, il y a une raison, mais la raison, elle est vraiment très personnelle. Mais bientôt, la surprise, vous allez découvrir tous la surprise. Voilà. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais la musique? Alors, je fais la musique depuis que je suis toute petite. Ouais. Mais j'ai commencé la carrière depuis 2015. Et là, j'étais encore à l'école secondaire. J'étais pas trop dans le truc. Mmh. C'est après mon obtention des diplômes que je me suis lancée dans la carrière professionnelle maintenant. Mmh. Ben voilà. Donc, ça a fait beaucoup de temps. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui te manque pour être la vraie Ben que tu rêvais depuis? Alors, ce qui m'est manqué, je vais dire, c'est que les gens me connaissaient en la Bénédicte qui interprète, Charlotte, Loqua, Céline Banzaï, etc. Mais aujourd'hui, je crois que moi aussi, je suis en train de me trouver la signature. Déjà que j'écris, et le fait d'interpréter pouvait donner l'impression que je n'écrivais pas, que je travaillais que les autres. Mais aujourd'hui, j'écris... J'interprète moi, en fait. Je suis en train de poser ma signature. Et aujourd'hui, tu vas t'interpréter encore? Bah, ça dépend. Ouais. Alors, on va vraiment te découvrir. T'as vraiment une playlist, t'as prévu une playlist de tes chansons. Ouais. Et on a hâte de découvrir, alors, tes chansons. Parce que peut-être parfois, on t'a retrouvé dans des interprétations et tout. Ouais. Alors, t'es accompagné par... Tu peux le présenter? Ouais, il s'appelle Ibrahim, Maestro, qui a toujours été là. Voilà. Il a toujours été là et pour me soutenir dans tout ce que je fais. Et en tout cas, on vient de loin, nous donner une histoire dans la musique. Alors, si Ibrahim est prêt, on peut démarrer directement par les premiers morceaux. Ouais, le premier morceau s'appelle Taraji. Mmh. Taraji, c'est l'espoir en Kiswahili. D'accord. Arrête de pleurer, assez mes ivres, chaque jour suffit sa peine. Assez mon erreur n'est pas un problème. En le fuyant, on sortira vivre de ces combats. Pour vivre à fond, on attendra pas son temps. Dio Maisha ni Fumbo. Kiti kaishi ndo kuielewa. Maisha ni mufupi, ndoto ni zirefu. Lakini tangu taraji ngali, hatukati tamaa. Ile bubububububububu. Aseme kuna kupanda na kushuka, milima na mabonde yoyoyo. Tukitarajia enda mbali, Mungu sio mugumu, mugumu kukusikia. Aseme kuna kupanda na kushuka yoyoyo, milima na mabonde yoyoyo. Tukitarajia enda mbali, Mungu sio mugumu, mugumu kukusikia. Shida ni za
ende zina kuyana zina enda inatupasa kukua courageux parce qu'à chaque jour il y a de problèmes et à chaque jour il y a une solution Aseme kuna kupanda na kushuka Milima na mabonde yoyoyo Tukitarajia enda mbali Mungu Sio mugumu, mugumu kusikia Aseme kuna kupanda na kushuka yoyoyo Milima na mabonde yoyoyo Tukitarajia enda mbali Mungu Sio mugumu, mugumu kukusikia Merci. L'œuvre est donnée l'espoir aux gens qui peut-être qui manquent l'espoir et tout, qui ont désespéré. Voilà. J'adore ouais. les sons. Le deuxième morceau que vous nous proposez. Alors le deuxième morceau, c'est le morceau préféré de Ibra. Ça parle de la paix des nous, cette génération. Ouais. Cette génération, c'est une génération qui sert d'exemple à la génération future. Mmh. Et en leur servant d'exemple, nous sommes comme leurs héros. Ah ouais. Ben voilà. Les titres, c'est héros ou... Non. Mmh. Les titres, c'est Yebisanga. Tcholingala. Bilingue. Bilingue. Ouais. D'accord. Kimya sijue nifanye nini na muomba Mungu atulinde dunia imebadilika kwa njia mbaya na muomba Mungu nione kesho Bokola, bokana viso, zambako pambola Maboko likolo, biso nyoso totombola Bokana viso, zambako pambola Ah, eh, dire, ta dira
Kabila, Kama, Mandela. Nitimize ndoto za Afrika, ningekuwa na nguvu kama wanabunge ama sauti kubwa kama Sulemani. Juu ya mabadiliko kwa machozi niimbe nyimbo za kumsifu. Zambako pambola maboko likolo bisonyo zoto tombola bokana biso zambako pambola sont remplis d'émotions, tellement mélancoliques et tout. Ouais. J'ai senti, il y a un peu du lot, quoi. Ah ouais. Ouais, il y a un peu du lot, quoi, parce que je crois que de mes premiers pas de la musique, j'écoutais que lot, quoi. Voilà. Alors là, maintenant, on part à la découverte. Alors, on part à la découverte d'un titre qui s'appelle « My Story ». C'est un peu quelque chose que j'ai vécu. Ouais. Ton histoire d'amour. Enfin, mon histoire d'amour, mais qui ne s'est pas bien passée. Ouais. Mais heureusement que ça m'a donné une très belle chanson, une très belle inspiration. Ouais. Donc, je vous laisse découvrir tout. D'accord. Kuwa mwepesi kama jani uliokauka, aliushika na busara, akawa bega ya kunisapoti. Mati ilitomboka, roho ikabaki moto hata ndani ya mvua. Sikuona giza usiku kucha, raha ikaninasa kama mfungwa. Naeleza story nilipitia, roho yangu tena iliumia. Roho yangu tena iliumia, iliumia, umia, iliumia. Ilikuwa muda tulicheka pamoja, mkono kwa mkono tulishikana. Kila mara alikuwa buku yangu na mimi nilikuwa kalamu yake. Yeah.
keni jenda ali panda na mi kulima kuni tu panda ni abonde kuni kanyaga roka manyoka sambani kutaka mimi ni konde lakini jenda ali panda na mi kulima kuni tu panda ni abonde kuni kanyaga roka manyoka shambani kutaka mimi ni konde. Naeleza story nilipitia, roho yangu tena iliumia. Naeleza story nilipitia, roho yangu tena iliumia, iliumia, umia, iliumia. Alors, et si on découvre les sons de ton artiste préféré, okay. Des sons que vous aimez tellement interpréter, ah, okay. Des sons que vous admirez vraiment, okay. Et quand vous l'interprétez, vous, je sais pas, vous la portez à cœur, et je sais pourquoi, quand vous les faites, les gens ont toujours tendance à aimer ça. D'accord. J'aime beaucoup Charlotte Dipanda. Ouais. Et le son que je crois que les gens aiment et qui m'a un jour fait pleurer sur scène, c'est Coucou. Donc, j'espère que ça va pas te faire pleurer là. Bah non, 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 t'inquiète pas. D'accord. Na bobe bwa batonde bunya bo matimba je sele mapata mongo so ekungula ne saka azitina bamele wa muna na bino na otitina uwele emeso mulema mongo minyama bwa mbenge ya na mapula na ubiye na newa kukuo newa na mapula na ubiye na newa kukuo newa na mapula na ubiye na newa kukuo newa na mapula na ubiye na newa kukuo. Je suis là. Je suis vraiment là. Oh, boliti jana ne mundi mwase. Soni te se bilongi sane babila. Nende ke mune ma pape. Jaye se bo mane nonge yae na si mene toke sewa mene obi ika anayo can understand me minya mama menge yae na mapula na obiye na newa kukuo newa na mapula na obiye na newa. Kukuo, newae,
Noa, Noa. Je suis là. Ouais, et si je dis que la suite de cette ambiance, c'est à l'Institut français? Ah ouais. Bien sûr, parce que vous avez une date à l'Institut français, c'est pour le mois de mars. Pour le mois de la femme, ouais. Voilà. Il y a déjà une date, j'espère? Non, la date vous sera communiquée ultérieurement. Mmh. Mais déjà, le lieu, c'est à l'Institut français. Voilà. Donc, tenez-vous prêts. Voilà, donc bientôt là, on va partager un moment avec vous à l'Institut français de Goma. Sinon, qu'est-ce que vous nous préparez cette année à part ces concerts à l'Institut français? On peut s'attendre à quoi encore? Bah, à beaucoup de choses. Ouais. Mais déjà, on peut s'attendre peut-être à un album. Un album? Ouais. Votre premier album? Ouais, mon tout premier album de 12 titres. 12. Ouais. Depuis 2015, vous avez travaillé sur cet album ou carrément, c'est... Voilà, c'est à peine que vous avez travaillé sur ça ou quoi? Alors, c'est depuis bien longtemps que je travaille là-dessus. Et chaque jour, il y a des nouvelles choses. Mmh. Il y a des nouvelles situations qui arrivent. Ouais. Donc, l'album, ça parle de l'espoir. Taradi, mmh. Taradi, c'est en Kiswahili, c'est l'espoir. Et il y a beaucoup d'histoires personnelles et d'autres histoires, peut-être qu'on m'a racontées. Ouais. Et toutes ces histoires-là, je les ai mises ensemble. J'ai créé quelque chose, j'ai créé un album. C'est juste d'amour, un album qui va tourner autour de l'amour? Non, il y a non, un non. Tout... Alors l'album tourne autour des vécus, des l'espoir, comme je l'ai dit. Ouais. Je parle de la femme, parce que moi j'aime beaucoup parler de la femme. Okay. Ouais. Je parle de la femme, de ses combats et tout. Je parle de la situation sécuritaire. Ouais. Je parle de ma situation amoureuse et tout, donc il y a un peu du tout alors dans cet album. Il y a un peu du tout. On a hâte de découvrir cet album. Ah. Voilà, merci d'être passé. Mais dorénavant, on peut quand même te suivre sur tes réseaux pour. Bien sûr. On peut me suivre sur YouTube, abonnez-vous, Bénédicte Luendo officiel. Ouais. Sur Instagram, Bénédicte Luendo. Je suis désormais sur TikTok, Bénédicte Luendo, et sur la page Facebook. Voilà. Et là, il y a tout le contact. Ouais, il y a mes contacts, il y a mon adresse email, il y a aussi mon numéro de téléphone. Voilà. Ouais. Merci aussi à Ibra, voilà, qui a joué à la guitare. Ibra, et également, c'est pas pour retrouver Ibra, il faut quoi? Vas-y, parle au micro. Pour me retrouver, j'ai un compte Instagram, Ibrahim Tchomba. J'ai aussi un compte Facebook, Ibrahim Tchomba. Voilà. Et pour travailler avec toi, il faut quoi pour travailler avec toi? Pour travailler avec moi, il faut juste me contacter, soit sur Facebook ou sur mon numéro, qui est 09 43 42 375. Voilà. Merci, un plaisir de partager ce moment avec Ibra. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé ce genre de moment avec lui. Merci aussi, Bénédicte. Merci, Calvin. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte de passer encore un moment avec toi, juste après la sortie de ton album. Ouais, même avant, à même avant, ouais, pourquoi pas. Voilà, dans ce mois de mars, on va bien partager voilà, ce mois de la femme avec Bénédicte à l'Institut français. Donc bientôt, on va même publier sur nos pages la date exacte de sa production. Merci de nous avoir suivis. Allez suivre Bénédicte partout. Ça s'appelle Bénédicte Luendo. Pourquoi pas ne pas aussi nous suivre, bien sûr, Zonar. Merci et on est ensemble.